Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Yom Yom du vingt 21 unième jour de Hadar Aleph. Tout d'abord, le rabbi nous dit il faut étudier le choumage du jour, le télim du jour, le tagne du jour. Puis le rabbi nous ramène une lettre du rabbi précédent, qui d'ailleurs a été écrite un jeune homme qui était à la Yeshiva, mais que plus tard est devenu un grand décisionnaire, le rav Shmuel Alevi Vosner, en lui disant que ceux qui veulent s'attacher à la chassidut Chabad, ils doivent savoir c'est quoi un chassid d'après la chassidut Chabad c'est quoi ce terme de Chassid Et le rabbin précédent lui dit que le terme de Chassid en lui-même est assez ancien, et il est même appliqué par nos sages, sur Adam Arishon, le premier être humain. Dans quel sens, dans le Talmud, on appelle Adam Arishon en tant que Chassid Quel sens a le terme Chassid dans le Talmud Lorsque le Talmud appelle quelqu'un Chassid, il veut décrire la perfection et l'élévation de l'intellect ou bien la perfection et l'élévation des sentiments, ou bien la perfection et l'élévation des deux en, en même temps, aussi bien de l'intellect, aussi bien des sentiments. Mais lorsque la chassidoute, elle appelle quelqu'un un, un chasside, elle parle de quelqu'un qui n'est pas parfait, mais il se connaît bien et il fait tout pour s'améliorer. Donc il connaît sa nature profonde, le niveau de ses connaissances de Torah et de son étude, de même que son degré d'engagement dans l'accomplissement des mitzot, le chassid a conscience de ses manques et s'efforce et se préoccupe de les réparer. Il est parfaitement soumis comme si qu'il portait un joug. Donc nous avons quatre points ici qui en ressortent. Premièrement, le chassid doit bien connaître sa nature, savoir où il en est dans la connaissance de la Torah, dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Deuxièmement, savoir qu'est-ce qui lui manque. Troisièmement, il doit avoir la volonté de compléter ce qui lui manque et pas seulement avoir la volonté, mais passer à l'action, aussi. faire ce qu'il faut. Pour compléter le manque. Et quatrièmement, quoi qu'il arrive, quelle que soit sa situation, mais il s'efforce d'avoir de beaucoup de mashmat beder kabbalatol. Travailler sur sa soumission dans un chemin de kabbalatol de recevoir le joug de Dieu, ça c'est le titre d'un chassid. Et à nous de travailler devrait pour dévoiler le chassid qui est dans nous encore plus. Et par cela, accueillir Machiach un excellent homme.